Présentation de la reliure Assemblac pour reliure notariale ainsi que pour les baux. Avec rivet et ruban. Présentation avec rivet et ruban. Évidemment, signature se fait avec le ruban sur la page principale des deux signatures devant et derrière, comme ci-joint. Un document vierge avec document assigné. On prend le document, on le tacle à gauche, à droite pour être bien recalé. On l'appuie doucement pour perforer. On a deux trous plus l'emplacement pour le ruban. On met deux rivets, un rivet ici pour un petit document. L'on met évidemment, l'on cale pour les trous. On met un rivet sur le dessus, à droite et à la gauche. On lève le document et on le pose en dessous et tout doucement on appuie pour écraser les rivets. Une fois que cela est fait, on prend un ruban en fonction du document. L'on colle évidemment ce document, la bande collante sur la signature des deux personnes. Donc comme ci-joint, voilà. Après, l'on passe le ruban ici, comme ça, et l'on colle le ruban sur la fin, de manière à avoir la signature du document qui soit validée à l'arrière comme à l'avant. Reliure Assemblac, distribuée par BDE.